Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Allo tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tarsman. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de Tarsman. Parce que nous allons finir le scénario. Eh oui. Ah, oh, et de la réparation. Parfait. Bon moyen de gaspiller de l'argent. Parce que nous sommes riches. Nous avons 10 000 éclumes. Quelque chose au même. Je ne sais plus du nom de cette monnaie. Puis comme que je disais, nous allons finir ce scénario. Parce que ça me tente d'en finir un peu avec cette série. Vu que j'ai des nouvelles séries que je veux aborder. Puis il y a des séries qui sont quasiment deux mois. Je suis obligé d'attendre de toute façon. Il va y avoir beaucoup d'ellipses. Et pour moi c'est des grosses attentes. Parce que vu qu'on va vraiment finir le jeu, c'est mieux de même. Alors ellipse. Il y a un feu. Où est le feu? Combattons-le. T'es où, Twitch? Je pars pour une place que... Ou quand... Inaccessible. Tu... Ah, sérieux! Au moins, je peux faire ça si j'aurais pas pu le... Ah! Justement, une place où qu'il n'y a pas de, de pompiers à l'horizon. Oui, à l'horizon, oui, mais pas dans cette, la zone. Ça! Par contre... Bon, on va tout réparer ça au fur et à mesure. Toujours pas repris ses activités. Boss. J'en ai en masse. En masse. Quand on aura plus de place ou quand ça va me tente, je vais décider, on va le construire cette. Bon, on est quel. On est l'automne. Ok. Nous sommes présentement l'automne. Ça, c'est quelqu'un qui nous attaque. Les bandits qui nous attaquent. Où sont-ils? Ça prend un certain temps avant de réaliser. Où sont-ils? À moins qu'ils soient dans un trou perdu. Mais je les vois pas. Ah! Le voilà. Ok, il était juste en vue, c'est tout. Ah ouais. Ah. Hop. Oh. Oh. Un monastère. Ça c'est quoi ça? La tourelle. Ok. Je pensais que c'est le monastère qui était en construction là. Alors que je me suis trompé. Bon, pas grave. Pas grave, pas en tout. Bon. Ellipse. Il y a pas mal de feu. Ouais. Pas mal. Je trouve.
Ok. Ok. Ouais, il y a vraiment pas mal de feu, je trouve. Bon. Enfin, un peu de quelques jeux supplémentaires. Mais... Et voilà, un autre. La dernière vidéo qu'il ait eue, c'est la avant-dernière vidéo de Minecraft saison 3. Et oui. Une autre série qui va tomber. Et oui. Qu'est-ce que vous voulez? Puis l'autre vidéo, ça faisait depuis décembre que j'avais tourné. Ouais. Ça faisait quelques mois. Il me restait juste à faire du montage, c'est tout. C'était juste ça qui restait à faire, du montage. Ça a été fait, le montage. Je sais qu'il y a une personne qui écrit en commentaire que je fais des vidéos de qualité, mais le problème, c'est pas la vidéo en tant que telle qui est pas de qualité, c'est que je. Il est en fenêtre. Ouais. Camtasia Studio enregistre à partir de la fenêtre. Sinon, si je le mette, je ferai F11 pour que ce soit en plein écran. On ne verrait absolument rien. Et j'en avais parlé durant la première vidéo. La première vidéo de que j'ai faite, Minecraft. Ouais, j'en ai parlé. La première ou... Non. Mon seul et unique unboxing. Ouais. Mon seul et unique unboxing. Et pourquoi? J'avais expliqué. Camtasia Studio enregistre malheureusement seulement par fenêtre et non par plein écran. Mais par contre, ce que j'oublie des fois de faire, c'est la barre en bas. Putain, je m'en souviens plus, je sais comment ça s'appelle, ça va très bien. J'ai juste le. Arranger l'écran pour juste qu'il ne prend pas le bord. Mais en bas, puis même en haut si je veux. Mais en haut, ça ne dérange pas. Et pourquoi? Au moins, vous savez la version que j'utilise. Au moins. Je pourrais utiliser, exemple, OBS. J'aurais aimé ça l'utiliser. C'est peut-être gratuit. C'est gratuit, mais le problème n'est pas là. Il compile en temps réel. En gros, pour avoir une bonne vidéo de qualité, en plus de ça, en shader, il supporte pas. OBS est trop puissant. Ça prend trop. En gros, mon ordinateur n'est pas assez puissant pour rouler OBS. Malheureusement. C'est ça le problème avec OBS. Sinon, je l'utiliserais OBS, puis ça serait encore de meilleure qualité. Mais, on fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez? Depuis que j'ai commencé YouTube, je fais avec ce que j'ai. Puis l'argent n'est pas là. Oh. Je peux pas faire grand chose sans argent. Malheureusement, on n'a pas le choix d'utiliser. Nous n'avons pas le choix d'utiliser de l'argent pour tout. C'est ça le problème de la société d'aujourd'hui. On doit utiliser que de l'argent. En plus de ça, les appareils électroniques, ça coûte cher. Il y a des affaires là qui coûte pas cher en matériel, mais qu'est-ce qui coûte le plus cher, c'est pas le matériel en tant que tel, c'est le travail qui a été fait, c'est ça qui fait que ça coûte le plus cher. Ah ouais, il a besoin de charbon? Ok, du bois pour faire du charbon, c'est correct. Mais il est plein!
Il est plein. Sérieux. Mais il est plein. Nous sommes attaqués. Et nous sommes l'hiver. Ah, ça t'apprendra de venir nous acheter. Au moins. Ouh, il fait frette. Il fait frette. Bon, pour vrai, il fait frette dehors. Bon, c'est pas super quand même. Mais c'est vraiment l'hiver, pour vrai. Même si on est à veille de finir l'hiver, nous sommes encore l'hiver. Et où est l'autre? Mais il est où l'autre? C'est beau ça? Non, ok, ferme. Ah. Oh, se trouve là. Oh ouais! Il est protégé. Au moins, il limite, mais quand même. Oh ouais! Tu décides de te mettre aller dans nos extrémités. Ouais. Oui. Ok, il va. Au moins. Au moins. Non! Tu le poursuis pas? Non, mais... On en a besoin pour l'hiver de ça. Ah oui, il faudrait peut-être que je construise un autre. On va en manquer. C'est quoi déjà? C'est une affaire d'entrepôt. Où est les entrepôts? Bon. Ils rentrent là, c'est parfait. Bon, forcément, ils sont partis. Pense. Non. Où sont-ils alors? On doit aller partir, bon Dieu. Bof. Oups. J'ai bien de l'argent. Qu'est-ce que je veux faire là? Est-ce que je vais acheter des outils? Parce que on en a vraiment besoin des outils. Peut-être vendre la pierre aussi. En même temps. La pierre. J'en accumule. Ça prend de la place. Ouais. Puis j'en utilise pas énormément non plus. Il se passe rien. C'est que le pire. Il ne se passe absolument rien. Bon, il y a un feu. Où es-tu? Ah, j'ai fait construire ça, là. Parce que... Puis on est... ça a pas suffi. 40%... C'est
pas suffisant. On voit pas le feu. Ah, ok, il est là. C'est ça. Ouh. Pompier était là. Au moins, il a fait son travail. Au moins. Absolument, j'enlève le travail du pompier. Mais là, je l'ai vu à la dernière minute. Je cherche le pompier. Et voilà, il était là. Il fait son travail. Payé à faire de quoi et non payé à rien faire. Comme si on lui paierait. Comme si on lui paierait. Sinon, notre argent serait très beau. Vraiment très beau. Le feu. You. T'as le bout du monde. Ah! Oups. Parfait. Vous avez ça. Vous voulez savoir qu'est-ce que je vais faire maintenant, là? Acheter l'annonceur. Parce que. Ah, ok. On a monté. Ça a augmenté. Mais quand même. On achète quand même. Mais surtout, acheter ceci. On achète 20. Du pain. Bof, pas grave. De toute façon, on a de l'argent. En masse. Ça, au moins, on s'en est débarrassé un peu de ça. Un peu de ça. Maintenant, on prend ça. Et voilà, le tour est joué. Ça, qu'est-ce qu'il reste? Du bois seulement. Bof. C'est pas qu'est-ce qui est le plus compliqué. Il n'y a plus de bois, mais je vois le bout du monde, par contre. Le bois ici, il n'a jamais beaucoup. Mais le bois ici, par contre, c'est plein. Puis c'est la même affaire, c'est plein. Ou le coup de tout. Améliorer. Puis du coup, on est juste à 15 000, on n'a pas baissé énormément. Je suis même pas convaincu que j'étais avant de toute cette achat-là. De toute façon, on se fait de l'argent. Nous sommes pas endettés ou sous le bord proche des zéros. On se fait de l'argent et pas à peu près. Tout amélioré, plutôt réparé. Je me trompe pas. Ouais, c'est ça qui est terminé. Parfait. C'est ce que je pensais aussi. La brasserie du monastère a besoin de plusieurs ressources d'autres bâtiments grâce à la tourelle. La brasserie obtient du houblon séché, une ferme et un puits fournissent du blé et de l'eau. Ensuite, les moines du monastère pourront démarrer la production de boissons.
Mon seigneur. Parfait. Il me reste, il reste juste ça. Eh non. Il reste pas juste ça. Tout terminé une mission. Il reste encore une mission. Eh ouais. Vous ne savez pas, mais il reste une mission de la plus haute importance. Je vous dis pas c'est quoi non plus. Oups. Sont toutes dues à être réparées. Toutes. Sans exception ou presque. Wouhou! Je me demande ce que ça donne quand il est à zéro. Je me le demande à quoi que ça. Ça donne quoi? Bon, on sent pas mal tout réparé maintenant. Ah, mais coûte cher! J'étais à 15 000, hein! Ouais, ça m'a coûté cher. Et pas mal cher. Mais au moins, ça fait gaspiller un peu d'argent. Puis ça met la ville en état. Ouais. Pour la nourriture, on est à 100%. C'est parfait. C'est parfait. C'est vrai. J'ai oublié de lire bien attentivement. Si vous voyez, complétez l'entraînement de base. Ça c'est fait. Il n'y aura pas d'autres missions, c'est la dernière, c'est vrai. Et terrasser les bandits. Ouais. Ces fameux bandits-là. Qui sont juste là. Il faut bien les vaincre. Et oui. Combien il y a de soldats? Un. Deux. Trois, quatre. Oh, quatre, bien ça. Cinq, six. Il y en a d'autres? Je pense que non. Nous en avons 6. Ok, c'est 4 maximum. Pas grave. Allons, attaquer! Ben oui! C'est comme ça qu'on va finir cette vidéo et cette série. Ça fait au moins une demi-heure que je tournais. Plus que ça même. Bon, tourner, oui, mais c'est plus que ça que je suis sur le jeu. Seigneur, il est temps d'engendrer la bataille de votre armée. Vous pouvez alors envoyer une force d'attaque pour détruire le campement des bandits. Et c'est la quête, justement, qui restait. C'est cette quête. Je pensais qu'il l'aurait envoyée plus vite, mais ça a l'air. Que non. Pour attaquer, moi. Je suis amplement prête pour attaquer. Je sais pas où sont les autres, mais je suis prête à attaquer. Ah, deux. Oh, les quatre sont là. L'heure de vérité. Ah! Non! Ok, on est correct. Et c'est terminé! Wouhou!
Une grande victoire, maître. Nous avons montré à ces bandits ce que nous avons dans le ventre. La région est de nouveau paisible, le roi sera satisfait. On prend cette récompense-là. Bâtissez assez de tours de garde et sécurisez la ville à l'aide des soldats. Voulez-vous savoir quoi? On va toucher un peu. Tout comme fait, c'est déjà fait. Félicitations, vous avez terminé avec succès le scénario. Comment souhaitez-vous Comment souhaitez-vous continuer? Oh! J'essaie d'y aller trop vite, c'est ça le problème. Et ça va être tout pour aujourd'hui et pour cette série. Ce qu'on fait, ça va pas durer énormément longtemps. Ça, j'ai fait quelques coupeurs, mais quand même. Il n'en restait plus beaucoup. Je vous dis, il n'en restait plus beaucoup au scénario. Est-ce qu'on va continuer à jouer à un autre scénario ou retour au menu? Mais on va retourner au menu. Et oui, car le scénario est déjà terminé. Ah, ça fait du bien. C'était quand même une belle série, je trouve. Malgré que c'était aussi non seulement une belle série, mais c'était un tutoriel de certains sens. Un tutoriel avec Armée. Faut pas oublier, hein. Et c'était la 6e vidéo. Et donc la dernière. C'est ce qui conclut saison 2 de Thirstman. Si vous vous rappelez, parce que ça fait un petit bout de ça, j'avais fait un sondage qui est: est-ce que vous voulez que la saison 3 soit avec armée ou sans armée? Je vous laisse débattre. À date, on est avec armée encore. Ce qui veut dire ceci. On le supprime. Et oh oui. Pour faire une nouvelle partie. Vous avez le choix. En plus de ça, si dans le sondage, c'est avec armée, on aura le choix. La boisson parfaite. Derrière les palissades. Les désirs d'une femme. Et la pénurie de bois. Ah, il y en a d'autres. Oh, ils en ont ajouté d'autres. Oh. Il y a sûrement une mise à jour, puis il y en a d'autres. Une année de festivité ou encore sac d'argent. Je vous laisse choisir en commentaire ce que vous voulez. Je vous laisse prendre une capture d'écran ou une photo, peu importe. Sinon, si c'est sans armée, il y a le défi de l'artisan, tournoi, automne finissant, crise économique, rue d'hiver, mariage. Le mariage, c'est contre le temps. Ouais, est-ce que je veux vraiment réussir, j'en ai aucune idée. Comptoir de commerce, agitation, sécheresse. Le Paris du roi, cathédrale, la maladie du roi, temps de guerre, terre cultivée, cours d'eau ou encore risque d'avalanche. Ça a l'air intéressant, risque d'avalanche. C'est des nouveaux là, sûrement. Des nouveaux. C'est bien. Et je vous laisse décider ça en commentaire, ce que vous voulez. Le choix avec armée et le choix avec sans armée. Et n'oubliez pas de voter. Est-ce que vous voulez la prochaine saison avec armée ou sans armée? Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et cette série. Parce qu'on va reprendre en force avec une saison 3, mais malheureusement pas tout de suite. Parce que je vais en profiter pour faire d'autres séries qui vont être
qui va commencer, malheureusement. Mais c'est votre dernière chance pour voter. Alors pour ça, bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une prochaine saison de Tursman. Puis si vous voulez me faire un petit générique pour Tursman de quelques secondes, ça serait très apprécié. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.